remonter la chute, c'est le seul moyen. C'est impossible. On n'y arrivera jamais. Choisis l'impossible ou ta vie. Aide-moi à mettre mon ami en sécurité. Tiens, entrons dans cette grotte. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle dans notre situation? Non mais si tu te voyais, vraiment t'as l'air drôle. Tu peux rire des autres. Tu n'as pas l'air très fringant, hein. Regarde-toi. Il revient à lui. Vite, allumons un feu. Ouais, attends. J'espère que c'est du silex. Sais-tu que Mullins a la fièvre de l'oubli, Billy? Et alors? J'ai peur qu'il ne regagne jamais le joli Roger si on ne fait rien tout de suite. Tu mens. Non, pas du tout. Je sais très bien de quoi je parle. Titou l'a déjà eu. Tu as fait du feu? Tout au début, oui. Et nous sommes partis cueillir une bête très rare pour le soigner. Où? Dis-moi où elle se trouve. Ah oui, et pourquoi? Voilà pourquoi. Vraiment, tu me fais rire, Billy. Tue-moi et tu ne sauras jamais où est la baie. Je la trouverai parce que je suis un pirate et toi, tu es un enfant perdu. Tu la trouveras? Est-ce que tu sais à quoi elle ressemble, moi? Je suis là, compagnon, et je vais vite te guérir. Je vais suivre l'enfant perdu jusqu'à ce qu'il trouve la baie où je l'écorche tout vif et je t'en fais une couverture. Arrière, monstre! Laisse-moi mourir! Apôtre de Lucifer, prends mon corps, mais laisse-moi sauver mon ami! Je ne veux pas que tu parles comme ça. Reviens, traître! Tu n'as pas fait ta bonne action! Aide-moi à sauver mon ami! Mullins, c'est ton compagnon, Billy le truand, mais pas le mien! Mais ai-je le droit de laisser Mullins dans cette grotte sans lui porter secours? Il est à ma merci, puisque je suis le seul à pouvoir le sauver. Je vais te remettre sur pied. Je trouverai la baie tout seul. Il le faut. Je suis le seul à savoir où se trouve le remède. Les pirates pleurent à présent, c'est curieux ça. Tu vas chercher cette baie ou je te perce la bedaine. Ah, j'ai fait une erreur. Je pensais que tu pleurais, mais en fait, ça n'était que de l'eau. Pressons, allons chercher ce remède. Il ne fallait pas revenir. Parce que nous sommes les pires ennemis dans les batailles. Mais là, je pense que c'est différent. J'observe une trêve par manque de combattants. Eh, dis-moi. Oui? Qui sont les enfants perdus? Ah, des enfants qui se sont fondés une grande famille. On prend soin l'un de l'autre. Chaque nouveau jour est une aventure et puis... Chaque soir, Wendy nous lit une histoire merveilleuse. Des histoires? Mais quelles histoires? Des histoires sur les pirates, sur les chevaliers, sur les rois, sur les héros. Et puis c'est tout. Moi, je ne connais pas d'histoire. Je crains que Plume ne soit trempé comme une soupe alors qu'il est. Bien fait pour lui! Il n'avait qu'à rester avec nous. J'étais naufragé sur une île déserte et le joli Roger m'a recueilli. Je croyais ainsi avoir trouvé une famille, mais l'esprit de famille ne régnait pas à bord. Alors je me suis fait un ami qui m'a enseigné tout ce que je sais sur la piraterie. Et il va peut-être mourir. N'aie aucune crainte, nous le sauverons. Cette moitié de métis a déserté le navire. Parez à mouiller la chaloupe et partons en cueillir une seconde fois ce mal blanchi. Je veux le voir séché comme une saucisse. Le mousse est parti accomplir une bonne action. Il a dû quitter le navire dans l'intention de ramener Mullins à bord, capitaine.
Qui lui a demandé de ramener ce mutin déboussolé qui voulait oxyre votre capitaine? Oyez! Nous suspendrons ce vilain de Verdanzano à côté de l'autre pour qu'il danse le menuet. Par grand vent, ils danseront la gigue. Parez! À mouiller la chaloupe! Ce sont les baies. Leur jus est l'unique remède contre la fièvre de l'oubli. Vite, donne-les-moi, Plume. Elles sont fragiles. Attention, si tu les écrases, elles ne serviront à rien. D'une heure, que diable! Je veux voir cette esquive volée où vous aussi vous danserez le menuet! Par ce temps de grand vent, impossible d'aller de l'avant! Croyant avancer, nous ne faisons que reculer! Pauvres humains! Tiens! Presse-lui le jus dans la bouche, Billy.